Bonjour à tous et à toutes, c'est Oliver Plasma et on est parti pour un speedrun de DuckTales Remastered, sorti en 2013 et fait par WayForward, le chemin de la guerre. C'est très recherché comme nom d'entreprise. Et surtout c'est le retour des speedruns, attention, de Made in Oliver Plasma. Alors voilà, ça va pas être le meilleur speedrun du monde forcément parce que c'est mon skill. C'est ma skill. Mais il y a quand même... Ah, quand même, je l'ai fini en 41 minutes. Attendez. J'ai le temps sur moi. En 41 minutes, 25, attention. Alors oui, je n'ai pas le logiciel qui chronomètre le machin. Comme ont presque tous les speedrunners. Parce que je ne sais pas encore trop l'utiliser. Et j'avais un peu la flemme. À vrai dire. À cette époque-là. Alors maintenant, la prochaine fois que je ferai un speedrun, je pense que je le mettrai. Hein. Sûrement. Et voilà, là du coup, vous verrez pas le temps en direct. Et bref, voilà, vous avez vu que il y a beaucoup de cutscenes dans ce jeu-là. Et qu'il faut souvent les skipper de manière très rapide. Alors la technique est très simple. Hein. On appuie sur Start, on met en pause, et on appuie sur A juste après. Mais vraiment très rapidement après, on peut appuyer... De façon très rapide, instantanée. Pour passer les cinématiques assez rapidement. Voilà, donc là nous sommes dans la phase tuto. Le petit niveau d'entraînement du début. Et ce niveau est original. Hein, il n'existe pas dans la version de base sur NES. C'est un nouveau niveau de la version remaster. Et d'ailleurs ce ne sera pas le seul, il y aura aussi un second niveau. Qui sera lui aussi original de cette version. C'est le dernier niveau. Qui est d'ailleurs très réussi pour ma part. Avec une bonne musique. De toute façon, la musique, hein, il n'y a rien à dire à ce niveau-là. Donc là, je venais juste de prendre un take damage hein, pour pas attendre tout le cycle avec les lasers. Parce que bon, le cycle est un peu long. Et c'est un peu lent, donc voilà. J'ai pas envie de perdre du temps. Voilà, donc c'est un take damage, à ne pas confondre avec un boost damage. Boost damage, c'est juste quand on se fait toucher, on est projeté à l'avant ou à l'arrière, hein, selon le level design et notre préférence. Et généralement, ça c'est, on est projeté, c'est pour aller plus vite. Mais là, c'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est aussi pour aller plus vite, mais voilà, c'est un take damage. Et on se prend un dégât pour passer au travers d'un objet, au travers d'un ennemi. Pour pouvoir le traverser et passer par exemple une porte voilà. Directement qui est juste derrière lui, je ne sais pas, je prends un exemple à l'arrache. Donc là je choisis la mine africaine dès le départ. Alors pourquoi? Tout simplement parce que vous allez voir que je vais faire un glitch très compliqué à faire, que j'ai un peu galéré à faire là d'ailleurs, mais c'était plutôt une belle prise hein, parce que j'arrive plus du tout à le faire maintenant. Là maintenant c'est compliqué, faut s'y remettre quoi. J'ai perdu un peu de skill dans ce jeu. Bon, j'arrive toujours à aller très vite, hein, mais... Je connais quand même assez bien le jeu, toujours, évidemment. C'est quand même le jeu de mon enfance. Voilà, celui de la NES, je l'ai torché je sais pas combien de fois. D'ailleurs, je vous en avais fait un speedrun, qui durait à peu près 8 minutes quelque chose. Hein. 8 minutes 30, un truc comme ça. Donc très très court, alors que lui, il dure beaucoup plus longtemps, hein, la version remasterisée. Ça dure quand même 41 minutes. Voilà, c'est que, en plus, on a les cinématiques, voilà, qu'on passe. Ça doit bien prendre... je sais pas, tout casser, ça doit bien prendre 2 minutes, quasiment, carrément en plus. Et puis aussi, voilà, il y a de nombreux passages en plus dans cette version remasterisée. D'ailleurs, la mine africaine, dans la version... Ah, attendez, je préfère expliquer, là. Donc là, voilà, là, j'ai des points de repère, là, pour faire disparaître, en fait... L'objectif c'est de faire disparaître les rochers là sur la gauche. Et le truc c'est que le jeu en fait charge au dernier moment ces rochers. Alors je ne sais pas pourquoi, hein, ces rochers principalement. La plupart des décors il les charge assez tardivement mais plus tôt quand même. Donc on peut pas faire ce genre de glitch. Mais là vu qu'il charge vraiment au dernier moment, la caméra charge au dernier moment ces rochers.
et ben on peut glitcher comme ça, on peut revenir sur à droite, sur à gauche, comme ça le jeu il comprend plus rien. Il charge, il recharge, il décharge, il recharge, et au bout d'un moment, hop, les rochers se barrent. Après voilà, il y a un point de repère aussi où faut sauter exactement, et c'est assez précis, c'est assez cocasse à faire. Je vous mettrai le lien dans la description d'un youtubeur qui montre bien la technique à suivre. Mais voilà, c'est assez compliqué, j'ai bien mis 1h30, 2h au moins à réussir ce glitch. C'était horrible. Je l'avoue, je m'en souviens. Purée. Je sais plus si j'ai dit, voilà, c'était au mois de... C'est le 27 juin 2015 que j'ai finalisé ce speedrun. Voilà. Parce que le fichier date du 27 juin 2015. Bon, je me souviens juste que c'était en 2015, moi. Et que j'avais pas longtemps avant, voilà, j'avais pu faire mon PC gamer. Et d'ailleurs, voilà, ça tourne sur mon ancien PC gamer, qui était déjà bien. Mais faut savoir qu'avant, je jouais sur un petit PC HP, hein, pas terrible, donc je le tournais pas fond, le jeu, il ramait un petit peu des fois. Mais bon, j'avais pu finir sur PC HP, en 2014, un truc comme ça, par là que je l'avais acheté. Et oui, il faut savoir que sous Windows 8, le jeu il marchait nickel, parce que c'était sous Windows 8, le PC HP. Mais par contre, sous Windows 7, c'était mon PC Zalman, il était sous Windows 7. Le problème, c'est que le jeu marche très bien au début, et puis il plante complètement à la fin du jeu, au boss final. Voilà, quand on le touche 2-3 fois, il plante. Le jeu plante. Pas toujours véritablement au même moment, mais il plante toujours au boss. Et donc pour moi, c'est impossible de finir le jeu. Et le problème, c'est que bah, quand je coupe le jeu, le son reste figé, même quand on désactive complètement le jeu, qu'on le ferme de Windows. On est obligé de redémarrer l'ordi pour qu'on ait plus le son. Hein, ça allait jusque-là, quand même. Et c'était quand même un jeu acheté, hein. Purée. Quelle arnaque. Voilà, donc faut savoir que sous Windows 7, voilà, vous aurez ce bug. Enfin, sûrement ce bug. C'est pas sûr, ça se trouve, moi j'ai vraiment pas eu de bol. En tout cas, non, pour moi il est compatible que Windows 8 et 10. Hein. Windows 7, c'est même pas noté, je crois, Windows 7 qui est compatible. Pourtant, 2013, c'est pas non plus si récent que ça. 2013, il y avait... quand même encore au moins 80% des PC qui étaient sous Windows 7, donc c'est un peu saoulant. Mais bon. Et Windows 10 n'existait même pas. Et bref, le jeu a été codé un peu avec le cul, quoi. À ce niveau-là. Mais c'est pas la seule version qui est mal faite, parce que il y a aussi sur PS3, il y a des nombreux freezes. Ça, c'est pas normal. Et sur Wii U... Alors sur Wii U, le bug, il n'est pas vraiment gênant. C'est en fait à la fin du, c'est au boss final, il me semble. Ouais, c'est à la fin, généralement à la fin quand on finit le jeu, quasiment. Donc c'est souvent par là qu'il y a des bugs. Alors, je demande pourquoi. Et ben le son peut être multiplié par deux. Alors c'est-à-dire que on a hop d'abord, je sais pas moi, Picsou qui dit ah oh, je suis riche, et puis hop juste après il redit ah oh, je suis riche en décalé. Et ça fait ça deux fois à chaque fois, voilà. Ça fait le son de base plus un autre son qui est décalé. Donc c'est dégueulasse. Mais bon, heureusement, ça le fait qu'à la fin. Et ça, c'est que sur la version Wii U. Bon, ça veut dire que la version Wii U, c'est la meilleure version. C'est celle qui plante le moins. Elle plante pas, en fait. Enfin, d'après les commentaires, elle plante pas. La version Xbox, j'en ai pas entendu parler. Peut-être qu'elle est nickel. Alors voilà, ces ennemis-là, ils sont vraiment chiants. Alors j'ai pris ce niveau-là aussi assez rapidement parce que faut savoir qu'on gagne un cœur très facilement ici, un réceptacle de cœur. C'est-à-dire un cœur en plus. Une vie en plus. Un take damage en plus. Et ça, c'est beau. Voilà, donc
Non seulement bah, je gagne toute ma vie, et puis en plus de ça, j'ai un cœur en plus. Donc c'est parfait. Pour le niveau suivant, ça va vraiment être très important, parce qu'il me semble que je passe sur la Transylvanie après. Ou alors c'est le premier niveau, je sais plus le nom, l'Amazonie je crois que c'est, ouais. C'est l'Amazonie le premier niveau. Enfin le soi-disant premier niveau. Si on peut les choisir dans l'ordre ou pas dans l'ordre. C'est ça la force des jeux Capcom à l'époque. Alors là on voyait bien que c'était quand même les développeurs de Megaman. Hein. Bon pas Way Forward, hein. Pas ceux qui ont fait le remaster, mais je parle de ceux qui ont fait la NES. Version NES. Bref, là, en fait, le but, c'est de trouver tous les lapins qui disposent de des composants là pour réparer l'avion. Donc pour ça, bah, faut les trouver, mais bon. Ils sont pas chargés au pif, hein, c'est toujours les mêmes. Hein. À chaque fois qu'on commence le niveau, c'est toujours les mêmes lapins, donc c'est pas très difficile. Hein. Voilà, je suis un peu de la merde parce que, bon, faut dire que... Au fur et à mesure, quand je me dis « Oh purée, je me débrouille trop bien, là !» En plus, j'ai réussi le glitch à la mine africaine assez bien. Voilà, j'ai tendance à me déconcentrer. Mais je compte faire un futur speedrun sur DuckTales Remastered. Un nouveau speedrun sur DuckTales Remastered. Et sauf que cette fois-ci, ça sera sans les glitchs. Faudrait que je fasse quelque chose de très très propre. Hein. Après voilà, bon c'est un projet comme ça vite fait, mais bon, c'est pas ma priorité. Ce qui est plus prioritaire pour l'instant, c'est Bluestained Dead, voilà, à faire Curse of the Moon, voilà, le fameux Castlevania Bis, là, à faire en speedrun. Il a pas l'air très dur à speedrunner. Hein. Après, je vais réfléchir hein, si je speedrun avec seulement Zangetsu ou avec tous les personnages. Bon, je pense que je vais faire tous les personnages en version normale. Mais bon, on verra bien. Et puis aussi, il y a Sonic Generation, il faut que je speedrun celui-là. Et puis par la suite, de Freedom Planet. Freedom Planet, très très compliqué à speedrunner, donc ça sera pas tout de suite. Hein. Et bon, Sonic Generation, par exemple, bon, faut que j'attende que j'ai un meilleur écran pour Sonic Generation, parce qu'il faut savoir que ce jeu-là, avec la synchronisation verticale, il est injouable. Enfin, en mode speedrun, il est injouable. Parce que des fois, les inputs, ils passent pas. Parce qu'il y a des lags. Hein, même avec mon nouveau PC, là, qui fait 4K, tout ça, tout ce que vous voulez... Et bah ça passe pas. Ou alors il faut que j'enlève un synchronisation verticale du coup. Mais j'aurai le déchirement dégueulasse et ça aussi ça crée des input lag. C'est mieux mais ça crée des input lag et puis surtout ça me déconcentre voilà. Avoir l'image qui se déchire à chaque fois c'est moche. Donc voilà, j'envisagerais de m'acheter un écran qui fait du 144 Hz. Bon voilà, du coup là on est contre un petit mini boss, hein. C'est pas très dur. Hop. Une cinématique assez chiante. Et bon, j'avais pas fini pour tout à l'heure. Ouais, à propos de Windows 7. Voilà, alors le jeu planté à la fin. Donc comment j'ai procédé? Bah tout simplement, j'ai craqué le jeu. Voilà, j'ai pris une version craquée à côté, une version sur un torrent, tout simplement. Voilà, je savais bidouiller ces trucs-là à l'époque, parce que j'avoue que j'avais craqué Tomb Raider 2013, et oui, alors, j'avais pas d'argent avant, ah maintenant je l'ai acheté. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, hein, quand on n'avait pas notre salaire... Hein, c'était plus dur. Et puis Tomb Raider 2013 avec un PC HP, c'était pas la joie. Hein.
jeu tourner en 720p, 30 fps ou 25 fps. C'était la sous-version PS3 quoi. Même sur PS3 il était mieux le jeu. Et bref voilà, j'ai dû craquer le jeu et la version craquée n'a aucun bug, voilà. Enfin, sauf si des sprites qui clignotent par moment, vous avez dû vous en apercevoir. Ça n'arrive jamais dans la version de base. Voilà. Mais bon, ça c'est pas un bug... C'est pas un bug trop gênant. Il est un peu chiant, mais il est pas trop gênant. Et aussi si, il peut, dans la version craquée, il peut y avoir quelques freezes. Donc ça m'est arrivé d'avoir des freezes. Alors bon, il y en a que 3 par exemple dans tout le jeu. Ça m'est arrivé qu'il y en ait 3 dans tout le jeu. Donc là, voilà, ça a gâché mon speedrun. Mais voilà, là j'en ai eu qu'un dans ce speedrun, vous allez le voir après, c'est en Transylvanie. Un énorme... Surtout, il était énorme ce freeze. Plus gros que les autres, purée. Et j'ai eu peur que... Que le jeu ait complètement lâché. C'était Lostless. Voilà, c'était vraiment fait à l'arrache un peu quand même. Cette installation. Mais j'y peux rien, moi. Ma version toute moisie, elle ne marchait pas sous Windows 7, là. N'importe quoi. Et bon, maintenant je peux le refaire tranquille vu que je suis sous Windows 10. Windows 10, il pose pas de problème. Pour une fois, j'ai envie de dire. J'avoue que le 7, normalement, c'est mieux. C'est assez étonnant. Et voilà, nous voilà en Transylvanie. Donc là, ça fait un peu style Castlevania, vous voyez. Et ça, c'est beau. Ah, voilà, là, j'ai eu un lag. Là, déjà... Ça arrivait jamais dans la version non craquée. Ah, ça vient pas de l'ordi, c'est la version craquée qui est comme ça. Ah bon, parce que l'ordi il tournait tranquille le jeu. Faut dire que j'avais quand même un processeur i5 3830p, donc bon. Ça passe, hein, c'est pas terrible, mais ça passe. Mais surtout j'avais une GTX 650T, et ça, c'était perfect. C'était le perfect à l'époque. C'est une carte graphique gamme moyenne, quoi, comme la GTX 1050 qu'on a maintenant. Enfin, la 2050. Ça avance vite. RTX 2050. Donc voilà, donc là ça se passe nickel. Ah, c'est là qu'il va y avoir le... Bon, déjà, il y a des espèces de bugs, de ralentissement. C'est super. J'hésitais carrément à le racheter sur Wii U à l'époque. Hein. Pour le speedrunner de manière propre. Et bon, voilà, c'est là. Et puis là, on peut croire que... on peut croire que j'ai fait une coupure, hein, que comment dire... Que j'ai triché, entre guillemets. Hein, que en vrai, je suis mort, je sais pas, et que j'ai recommencé ici, ou une connerie comme ça. Je sais pas comment j'aurais pu refaire ça, mais... Et voilà. Enfin, si, avec Sony Vegas, à l'arrache. Mais on aurait vite vu que ce serait de la triche, parce que la musique... Voilà. En écoutant la musique, qui ne serait pas du tout au même rythme, voilà. Tout simplement. Donc là, on a bien vu que la musique continuait, mais que le freeze, voilà, ça a complètement freezé. Et bon, ça a duré pendant 3 grosses secondes, quand même. Plus. Ça m'a fait peur. J'avoue que là j'étais en mode soulagement, là. Ah, et puis aussi, j'ai trouvé que la version craquée avait des temps de chargement un peu plus longs. Donc, en vrai, j'ai pas fait 41 minutes 25, attention. Attention. Ah, et je rigole. Alors, pas longtemps après ce speedrun, je vous montrerai un autre speedrun sur un jeu incroyable.
Un jeu qui a marqué les esprits. Tellement marqué les esprits que je l'ai speedrunné. Alors vous allez rire. J'ai speedrunné Sonic 4. Épisode 1. Voilà. J'ai pas envie de faire l'épisode de porte. C'en est trop. Alors c'était surtout pour me faire une base pour speedrunner un Sonic facile. Principalement. J'avais envie de speedrunner un Sonic et je me dis, bon, speedrunnons un Sonic facile. Sonic 4 épisode 1. Voilà. Il est pas terrible, mais bon, je l'ai speedrunné. Parce qu'il a un minimum fun pour speedrunner quand même. Mais il est pas dur. Hein, il est pas... Donc bon, j'aurais une belle skill, mais ça aurait moins de mérite que ce DuckTales. Là, DuckTales, il est vraiment dur comme jeu. Hein. Vous voyez comme ça, il a l'air simple, mais c'est un jeu assez punitif. Hein. Surtout la version remasterisée qui est plus dure. Voilà, donc là, je me suis fait toucher, mais en même temps, j'ai pu le toucher. Bon, ça s'est fait plutôt de manière propre. Avec un peu de chance, hein. On est bien content d'en avoir des fois dans le speedrun. Donc voilà, faut savoir aussi le pogo stick. Je pense que je l'ai montré au début de la vidéo. Il me semble que j'ai montré les paramètres. Parce que je fais comme ça, moi je montre d'abord les paramètres. Comme ça, vous voyez tout ce que. Vous voyez tout ce que j'ai mis voilà, pour faire mon speedrun. Comme option. Et donc voilà, je l'avais mis dans les paramètres, le pogo stick avec juste le bouton X, et pas faire X et vers le bas. Parce qu'il faut savoir que X et vers le bas, des fois, ça répondait mal, je trouve. Ça répondait pas tout le temps quand je faisais vers le bas, parce que le stick, comment dire, dans la croix directionnelle de la manette Xbox 360, elle est vraiment nulle. Mais vraiment nulle. C'est une catastrophe. Alors, ça passe dans ce jeu-là, par exemple, dans ce jeu en 2D, mais... Ça passe pas du tout dans un Freedom Planet, par exemple. Parce que c'est très rapide, faut être vif, faut être très précis dans les diagonales, etc. Donc c'est pour ça que dans Freedom Planet, j'ai une autre manette. J'ai la manette Buffalo. Alors non, ce n'est pas Buffalo Grill. Je n'ai pas sponsorisé par Buffalo Grill. Mais bel et bien une manette Super NES, une copie de la manette Super NES. C'est exactement la même. Elle est très bien foutue. Et la croix est parfaite. Donc oui, moi j'aime pas du tout la croix de la manette Xbox, mais bon, c'est le seul point faible de cette manette, hein, parce que je la trouve très ergonomique sinon. Je la trouve mieux que la manette PS4. Donc voilà, là faut savoir que ce boss là, bon. Dans cette version remasterisée, il est beaucoup plus long à battre. Parce que bon, dans la version NES, bah même la plupart des boss sont dans la version NES, sont très rapides à battre. Hein. Ils sont même très faciles et très rapides à battre. Il y a juste un boss qui est dur sur NES. Le boss final, il est pas vraiment dur en plus. Non, c'est juste le boss de la lune. Le niveau de la lune. La souris, là. Elle est ignoble sur NES. Parce que des fois, elle a des patterns, mais horribles. Parce que des fois sa hitbox en plus elle est à moitié glitchée quoi, elle est à moitié buggée. Les hitbox sont pas très bien gérées je trouve dans la version NES par moment. Et bon c'est faut se remettre dans le contexte de l'époque. Alors voilà, dans cette version remasterisée, c'est vraiment de notre faute quand on se fait toucher. Voilà donc boss déjà vaincu. Hop. Enfin il est un peu long quand même. Au moins, je trouve que les boss sont assez réussis. Et ils sont beaucoup plus réussis que sur NES, hein, forcément. Puis on s'en rend pas compte comme ça, hein, parce que on se dit, ouais, c'est à peu près les mêmes niveaux que sur NES. Mais il y a beaucoup de rajouts quand même dans les niveaux. Parce que moi, franchement, quand j'ai fait ce DuckTales remasterisé la première fois, j'avais l'impression de vraiment refaire la version NES. Mais en fait, il y a quand même pas mal de choses en plus. Au niveau du level design, quand j'ai re-speedrunné après la version NES. C'est là que ça m'a donné envie de speedrunner la version NES en fait.
Ah voilà, là ça commence à glitcher là les sprites. Et ça c'est horrible. Voilà. Ça c'est. J'aime pas du tout. Ça faut savoir que les sprites sont gérés de manière assez bizarre en fait. Et dans la version craquée, je ne sais pas, il y a un truc qui passe pas. Tout ce qui est en 2D, des fois, ça clignote. Alors, quelquefois, le personnage parle. Picsou. Bon, après, c'est pas fort passionnant. C'est genre, prends ça, MacDoc, ou... T'as vu, j'ai un bijou. T'as vu, je suis plus riche que toi, je suis plus riche de Canardville, prends ça dans les dents. Voilà, il raconte un peu sa life. Il dit, à mon époque, j'étais millionnaire. Et maintenant, je suis milliardaire. Ah. Et du coup, il a un club de golf. Voilà, c'est magnifique. C'est pour ça qu'il joue beaucoup au golf et voilà, avec sa canne. Il se tire de beaucoup de mauvais pas. Voilà. Voilà, j'ai essayé de trouver des trucs à la con, mais ça n'a pas trop marché. Voilà, alors là, là on récupère toutes les pièces. Hein. Parce que quand on arrive à cet endroit-là, voilà. Eh ben, on est bloqué si on n'a pas toutes les pièces, on peut pas aller plus loin. Ça c'est une nouveauté d'ailleurs, ça c'est une nouveauté. Dans la version NES, on n'avait même pas besoin de récupérer des pièces, non. Il n'y avait pas ça. Enfin même l'histoire des lapins aussi, de récupérer les pièces pour l'avion, ça y était pas aussi sur NES. Hein. Voilà, donc il y a pas mal de tirs à joues comme ça, qui nous permettent d'ailleurs, qui nous obligent à fouiller de fond en comble les niveaux. Alors que sur NES, on peut... voilà, sur NES, normalement, la première fois qu'on le fait, on se perd quand même. Mais bon, quand on le speedrun après, qu'on connaît par cœur le jeu, finalement, on se rend compte qu'il n'y a qu'un cheminement qui est très très rapide par rapport aux autres. Et c'est là que, voilà, on gagne un temps fou. Quand on connaît le jeu, après, c'est fini. Hein. Le jeu, il est très très rapide à finir. Voilà, ce passage est assez chaud. Avec les 1K, là. Une espèce de chien 1K. Ah, je me souvenais pas qu'il y avait que 2 vies dans... quand on était en difficile, tiens. D'ailleurs, il y a une version extrême. Et je ferai sûrement en extrême, moi, la prochaine fois que je ferai un speedrun sur ce jeu. En extrême, sans glitch. Parce que moi j'ai envie de voir le temps que je fais sans les glitchs. Hein. Pourquoi pas. Et avec une bonne skill quand même. Faudrait que je m'améliore un petit peu sur certains passages. Parce que comme vous voyez, je me fais quand même pas mal toucher. Bon, ça reste assez propre. Hein. Bon là on n'a pas perdu de temps en se faisant toucher par les 1K. Hein, c'est pas... C'était même plutôt voulu, hein, c'était pour aller plus vite. Mais précédemment, par exemple, quand je me faisais toucher en Himalaya, là, c'était un peu du fail. Je dois bien l'avouer. Ah, c'est pour ça, d'ailleurs, il fallait pas mal de cœur dans ce niveau. Ah, là, j'ai fait de la merde. Je m'en souviens plus. Alors, faut savoir que ce boss-là, il est assez pénible. Parce que il est très très grand, donc la hitbox est très très haute. Donc faut vraiment, c'est assez précis, il faut vraiment être très haut. Faire le pogo stick au bon moment. Alors vous voyez, le boss il a rien à voir avec le boss de la NES. Hein. Sur NES il saute juste comme un Koopa et puis c'est tout quoi.
Et puis on le touche 3 fois et hop, c'est fini. À chaque fois, faut lui toucher 9 fois, il me semble, les boss, ça. Et puis d'ailleurs, quand il saute avec le tremblement de terre, on peut pas faire le pogo stick. Et quand il fait ça, il ne faut pas rester sur le sol, sinon on perd une vie. Voilà. Enfin, ça fera un take damage. On perd pas un one-up, hein, rassurez-vous. J'ai à chaque fois du mal à comparer entre vie et vie, voilà, c'est compliqué. Le vie avec la tête de Picsou ou les vies avec les cœurs. La santé au pire. On peut dire la santé pour les cœurs. C'est plus simple. Voilà, je trouve que les musiques sont très bien réorchestrées. Alors après, voilà, il y a... Par exemple, T. Lopez, il a refait deux musiques de DuckTales. Et ces deux remixes sont bien mieux, bien supérieurs. Ceux de T. Lopez sont bien supérieurs que les remixes qu'on a là dans le jeu. Ah, par contre, gros problème, c'est que je risque d'avoir des problèmes de droit d'auteur. Ah, c'est compliqué. Parce que je me souviens que... je sais plus pourquoi, mais j'ai voulu mettre une partie en ligne. Je sais plus si c'était pour le speedrun. Ah mais si, il me semble que c'était... Ah non, c'est ça, c'est qu'en fait... Ah bah là, ça bug complètement. Non, c'est que en fait, on a... Voilà, moi j'ai une intro pour les speedruns et un ending pour les speedruns. Et le problème de l'intro, c'est qu'elle avait des droits d'auteur. Parce que c'est la musique de l'intro, c'est la musique du premier niveau de ce DuckTales, Remaster, en version 8 bits. Ils ont fait aussi en version 8 bits dans le jeu. Et même en 8 bits, YouTube à la con, là, il trouve les droits d'auteur. Et il bloque complètement la vidéo. Hein. C'est pas juste ne pas monétiser comme Nintendo. C'est carrément, hop, la vidéo, on la désingue, quoi. Elle est pas regardable. Ah, super, quoi. Génial. C'est bloqué dans tous les pays. Bon, bah, je sais pas trop comment je vais faire, là, parce que... Du coup, pour passer ce truc-là, bah, j'ai mis le son en beaucoup plus aigu, et ça passe. Et d'ailleurs, ça a un bon rendu, finalement, hein, le son plus aigu. L'intro du speedrun, finalement, ça rend mieux, même. Par contre, ça rendait moins bien pour l'ending. Et du coup, l'ending, il est passé à la trappe. Parce que l'ending, c'était la musique de la lune. Ah, je me disais, ça peut être pas mal, la musique qu'on entend en fond, quoi. Voilà, donc on est déjà au boss. Et le glitch que j'ai fait avant, bon, vous avez bien vu, j'ai sauté à un moment donné, hein, c'était pas une erreur. Hein. J'ai sauté en arrière, et je suis revenu sur un certain rocher. Parce que en fait, c'est ici que... C'est exactement à cet endroit-là que que la texture, enfin... Que la collision est chargée avec l'espèce de bloc vert, là, où on est passé au travers. Le rectangle vert en 3D, là. Enfin, le pavé, quoi. Pour être plus simple. Parce que normalement, on est censé fabriquer avec différents matos. On est censé rentrer déjà dans le vaisseau des extraterrestres, là. De choper différents matériaux. Pour réparer un... Enfin, pour construire, plutôt. Construire un robot qui va détruire ce pavé. Voilà. Et ça, il me semble qu'il y avait déjà sur NES, par contre. Il me semble qu'il y avait déjà... Oui, il y avait déjà sur NES. Et sur NES. Il fallait récupérer les objets. C'est le seul truc où il y avait un peu de recherche sur NES, alors que dans cette version remasterisée... Bah dans presque tous les niveaux, il y a de la recherche, en fait. C'est ça qui rend le jeu plus long, en fait. Voilà, le boss vaincu. Il est pas très dur, hein. Contrairement à la version NES, où il est vraiment chiant. C'est d'ailleurs le seul boss qui est plus dur dans la version NES que dans le remastered. Parce que d'habitude, dans le remaster, c'est le plus dur. Donc voilà... Ah, c'est nickel, on a 50 000 dollars. Bon, c'est pas beaucoup pour Picsou. Hein.
Il veut plus, il veut toujours plus. Un peu comme... Ah, mince, ça c'est pas de bol. Un peu comme Disney qui veulent toujours plus en rachetant plein de sociétés, là. Oh, le pifton des pognons! Alors, ça, c'est un niveau bonus qui s'enclenche tout seul par moment. Là, j'ai pas eu de chance, j'ai eu le niveau bonus. Pas eu de chance parce que, bon, nous, speedrunners, on ne cherche pas les niveaux bonus, ça nous fait perdre du temps. Ah, donc là, c'est le niveau final. À la place sur NES, on refait le niveau de la Transylvanie et hop, on découvre un nouveau boss. C'était un peu feignant, je trouve, de leur part à Capcom à l'époque. Donc là, au moins, ils ont fait un vrai niveau final. Ça, c'est bien. Et avec une musique originale qui est vraiment au top. Voilà, donc là je reviens plusieurs fois en fait, parce que je contrôle un peu l'IA des chauves-souris. Parce que les chauves-souris elles sont vraiment chiantes quand elles nous suivent à la même vitesse que nous. Du coup, je serais forcément ralenti par le rocher hein, que je bouscule à la fin. Voilà, je me ferais forcément toucher par la chauve-souris. Donc avant de ça, voilà, je reviens sur mes pas vite fait pour que la chauve-souris fasse son attaque en piqué. Tout simplement. Alors là, Picsou, il dit qu'il peut aller plus vite, mais non. Je ne peux pas aller plus vite, je veux dire. C'est tout. Voilà, c'est qu'on est aidé par notre pire ennemi. Enfin, notre concurrent. Le deuxième plus riche de Canardville. Alors là, oui. Dans DuckTales sur NES, quand il y a un rocher qui tombe comme ça, je fonce direct dessus parce que je me fais un take damage pour aller plus vite. Mais là, je le touche pas parce que ça one shot. Voilà. Dites-vous bien que ce rocher-là, one shot. Donc voilà, il y a droit qu'à une chance. Voilà, globalement, je trouve ce DuckTales Remaster plus dur que sur NES. Hein. Bien plus dur. Et c'est ça qui est bon. Parce que c'est rare. D'habitude, la version remasterisée d'un jeu, c'est toujours plus facile. Après le jeu NES, tu me diras, de l'époque, il n'était pas très dur. Ah non, MacDuck en fait, c'est Picsou. Oh. Oh, je sais même pas comment il s'appelle du coup l'autre. J'avoue que moi, la bande à Picsou, bah, j'ai vu ça vite fait quand j'étais tout petit. Mais vraiment tout petit. Donc bon, à part dire Loulou, Fifi et Lala, et Fufu, et Riri, enfin, non, en fait je sais même pas leur nom aussi, c'est magnifique. À ses neveux là. Bon, je connais que Donald et Picsou, ah c'est magnifique. Et Daisy, attention, s'il vous plaît. Ah, donc voilà, on combat contre le contre Dracula. C'est le boss final. Comme sur NES. Sauf que sur NES, il pouvait pas faire cette attaque. Ah, sur NES, il faisait qu'une attaque. C'était quand même un bon boss final. Même sur NES. Même s'il était pas très dur quand même. Ah, c'était pas facile de trouver le moyen de le vaincre quand même, au début. Il faut savoir que les chauves-souris allaient très très haut. C'était compliqué de les avoir. On était obligé de se baisser. Alors que là, les chauves-souris ont une trajectoire très définie, prédéfinie. Donc c'est facile de prévoir. Voilà, la chauve-souris fait toujours ça, quoi. Alors que sur NES, sa trajectoire est diffère par rapport à la position de Picsou. Comme quoi sur NES, là. Il y a une attaque qui fait plus technique. C'est rare. Bon, voilà, faut aller entre. Voilà, faut aller dans le petit trou. Il faut savoir que les chauves-souris nous attendent, hein, entre guillemets. Hein. Bon, pas jusqu'au bout, évidemment, hein, parce que bon,
C'est pas non plus une attaque gratuite. Ils peuvent nous toucher. Mais voilà, quand on va dans le trou, quand on est juste en dessous du trou, voilà, elles attaquent directement. Alors que quand on n'est pas direct au trou, bah, on a quand même un laps de temps assez grand. On a le temps quand même de se réfugier. Bon, le boss c'est pas si simple que ça. La première fois que je l'ai fait, j'ai pas mal galéré. Ah, c'est parce qu'évidemment je connais très bien ses patterns. Et je sais ce que c'est le vert, c'est quand il est en dragon, faut juste avancer petit à petit comme ça. Petit craché boule de feu. Bon, la première fois qu'on le fait, j'ai bien mis au moins 1h30 à le vaincre. Parce que, en même temps, si j'avais des game over et je recommençais le dernier niveau, ce dernier niveau était chaud. En comptant le dernier niveau en plus, quoi, évidemment. Ah ouais, bon, il est pas si difficile que ça. C'est surtout le dernier niveau qui est stressant. Il passe simple le dernier niveau. Bon, là, il y avait une technique hein, pour pas qu'il fasse 5 fois le truc, mais je savais pas ça à l'époque. Maintenant, je le sais. J'ai vu comment ils ont fait les speedrunners. Pour ça. J'avais vu aussi avant, mais. Parce que bon, c'est pas moi qui ai trouvé comme ça le glitch, les glitches par exemple. Mais voilà, c'est. J'avais moins fait gaffe à l'époque. Ah, la petite fail. Mais bon, ça passe, hein. on a large le temps. Hein. Et voilà, jeu à main. C'est vrai qu'il reste encore une phase. C'est vrai qu'il y a ça. Bon, la phase finale, elle est un peu plus simple. Hein. Parce qu'on est un peu moins timé, là. Hop, on monte direct, on fait un pogo stick ici. C'est bien plus rapide que se faire chier à aller à gauche. Et voilà. On va laisser la fin. Par contre, là, après, il y a un crédit. Et je ne sais pas si je vais mettre le crédit. Les droits d'auteur, tout ça. En plus, il y a un chanteur, attention. Quelqu'un qui chante, là. Oh. YouTube n'aime pas ça. Pour lui, c'est droits d'auteur. Dès qu'il y a quelqu'un qui chante, forcément. Ça se trouve, depuis le temps, ça passe mieux maintenant. C'est les musiques de DuckTales. Hein. Enfin, j'espère. Après, ma connexion actuelle, elle est mieux qu'avant. Donc ça serait pas non plus une catastrophe de devoir recharger ma vidéo. Bon, par contre, la vidéo, elle est de bonne qualité. On est en 1080p, 60fps. Voilà. Ça reste quand même assez lourd. Voilà, Picsou reste le canard le plus riche du monde. Mr. McD. Hi. I'll put it on your bill, Flinty. You can pay me back in, say 3 to 5 years. With interest, of course. Toujours des blagues sur l'argent. Il semble que ça passait souvent là-dessus. D'ailleurs, faut que je regarde, moi, cette série. Ah bon, on a Picsou. Ce qui paraissait bien. C'est bon, j'avais regardé quand j'étais tout petit, mais bon, quand t'es tout petit... Ah, tu vois des canards qui parlent, t'es content. Et puis c'est tout, quoi. Mais c'est le genre de série qu'il faut que je regarde. Hein. Ah, parce que déjà, je re-regarde, moi, je redécouvre les Bob l'éponge. Hein. Ça, avec un pote. On se fend la poire là-dessus. Voilà, on se fend la poire là-dessus, c'est magnifique. Ah, parce que Patrick, c'est des bars. Patrick, une légende. D'ailleurs, sur ma chaîne secondaire, Oliver Plasma, alors je sais pas si j'allais le dire un jour, mais là je suis un peu obligé vu que j'ai parlé de Bob l'éponge. Il y aura un best-of. Enfin, les meilleurs moments pour moi de Patrick, l'étoile de mer. J'ai fait un montage là-dessus. Donc, ce sera un montage classique, hein. Il y a des coupures, il y aura à chaque fois des passages avec Patrick. Voilà. Mais j'ai vu qu'il n'y avait jamais de best-of. Il n'y a pas de best-of sur Patrick. Moi je me demande mais pourquoi ça n'existe pas. Donc je vais en faire un.
Voilà. Comme ça, on va déterrer un peu la chaîne Oliver Plasma, là. On va la remettre un peu sur podium, là. Bon, ça reste Oliver Flav, la chaîne principale, hein, mais... Puis aussi, j'avais parlé... Là, je vais un peu parler de mes projets sur la chaîne Oliver Plasma. J'avoue que, à un moment donné, j'avais envie aussi de faire des séries abrégées, donc c'est-à-dire, par exemple... Je sais pas, je prends au pif Dragon Ball Z, abrégé Dragon Ball Z, donc faire des blagues et tout, et abréger la série, donc qu'elle soit plus rapide, résumer le truc. Voilà, donc j'avais hésité de faire ça. Bon, après, c'est passé un peu aux oubliettes, peut-être faire un jour, hein. Bon, ça sera pas sur Dragon Ball, mais j'avoue que j'ai envie de le faire sur Sonic. Il y a matière à faire pour faire quelque chose de marrant. Pour Sonic X. Et bon, à voir. La seule série que j'ai vraiment envie de faire en abrégé. Le DBZ, ça a été fait des millions de fois. Et voilà, un peu de la manière les Chevaliers du Zodiac. Faut avoir de l'idée quand même, faut avoir des blagues et tout. Et puis il y a aussi sur la chaîne Oliver Plasma, maintenant que j'ai un bon micro, que je peux enregistrer ma voix de manière plutôt propre, comme là, pourquoi pas faire une série MP3. Attention. Avec des bruitages, bon ça va être des bruitages pris sur internet, soit des bruitages made in artisanal, attention. Mais bon. Attendez, je vais faire déjà un bruitage là. Non, c'est un bruitage tout moisi. Ouais, je sais pas si ça s'entend vraiment. Ah, je veux pas taper sur la table. Alors, cette musique magnifique que vous pouvez peut-être pas écouter à cause de YouTube. Bon, je mettrai un truc à la place, je sais pas. Parce que bon, sans musique en fond, c'est un peu... Ça fait un peu tristounet. Voilà, vous voyez quand même qu'il y a un assez grand casting, hein. Beaucoup de gens qui ont fait ce jeu. Ah, et je vous avoue aussi, pour la chaîne Oliver Plasma, pour les séries MP3, j'avais commencé à écrire le texte, tout ça, il y a très très longtemps. En fait, je voulais faire ma propre bande dessinée à l'époque. C'était il y a très très, vraiment longtemps. C'était en 2010. Attends, j'étais au collège presque, quasiment. Furie, c'est... Ça tente. J'étais au collège et puis je faisais des petites histoires sur les Simpsons, voilà, complètement original. D'ailleurs, j'ai toujours les papiers sur moi, quelque part, les petites bandes dessinées. Et ça, je ferais peut-être en version MP3, peut-être en série MP3. Donc on aura juste voilà, le son, hein, forcément. Je sais pas trop, par contre, si je vais faire des bruitages pour les Simpsons, ça va être compliqué. Je suis pauvre. Puis des fois il y a des histoires, ça part un peu dans tous les sens. Ça risque d'être très compliqué à faire des bruitages là-dessus. Et il me semble que j'ai fait une bonne vingtaine d'histoires, j'en ai fait ouais, 21, trucs comme ça. Alors avec quelques-unes, elles sont assez courtes et pas terribles, hein. Forcément, ça date. Et bon, j'en suis quand même un minimum fier, hein, parce que de là à vouloir faire après une petite série MP3. Bon, après j'avoue que l'inspiration s'est arrêtée, hein, vers pendant le lycée, hein, ça s'est plus arrêté, j'avais moins d'inspiration là sur, en tout cas sur les Simpsons, parce que voilà, j'ai
Entre-temps, j'ai grandi. J'avais un peu changé mon humour, entre guillemets, on va dire. Mon écriture. Ah, et puis, bon, c'est aussi parce que les Simpsons, au bout d'un moment, on a fait le tour, quoi. Il reste combien de temps sur... Ah, 1 minute 30, il reste pas tant de temps que ça. Il va falloir bientôt conclure. Mais bref, voilà, après ce que j'avais fait après au lycée, ouais, j'avais commencé une série un peu à la Donjon de Nahulbeuk, là, que ça se passe dans un monde médiéval fantastique. Avec un humour, bon, qui fait un peu... ça fait un peu reprise Donjon de Nahulbeuk, hein, parce que moi j'ai adoré le Donjon de Nahulbeuk. Et je dis pourquoi pas continuer cette série-là. Alors bon, je donne pas de date parce que j'en sais rien quand je vais le faire. Ça se trouve, ça sera dans un an. Ça se trouve, ça sera dans 3 mois. Ça se trouve, ça sera dans 5 ans. C'est magnifique. Et je pense que je prendrai plus le temps, surtout quand je finirai Super Saga saison 2, hein, sur la chaîne Oliver Flat, parce que ça prend vraiment beaucoup de temps. Et puis les futurs épisodes de Parnlokaid. Faut à la base faire les épisodes de Parnlokaid. J'ai vraiment beaucoup d'idées pour Parnlokaid. Par contre, dans cet univers là, ça me parle. Là, j'ai déjà écrit sur 4 épisodes. Le 5e épisode, il y a une bonne partie qui est déjà écrite, hein, du script. Voilà, je suis assez motivé. Après, est-ce que après, ce sera un truc qui perdurera au fur et à mesure, on verra bien, peut-être que ça évoluera, hein. Peut-être que ça sera principalement plus tard des tests faits par Parnlokaid, des tests ou des petites histoires, je ne sais pas. En tout cas, j'ai pas mal d'idées sur Parnlokaid et ça, ce que j'ai fait, l'épisode 1 que vous avez vu, le Parnlokaid, voilà, donc c'était une mise en bouche du truc. Avec quelques gags et tout, mais je pense refaire cet épisode et mettre les meilleurs passages de cet épisode, faire un résumé de compresser, parce que j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de passages qui servaient à rien et qui étaient un peu ennuyeux à regarder, je l'avoue. Et voilà, l'idée de Parnlokaid, c'est de montrer un jeu un peu à l'arrache, à la Parnlokaid style, parce que lui il monte toujours à l'arrache ses jeux. Et de voilà, passer un bon petit moment et de se donner vite fait un avis du jeu, mais bon, avec beaucoup d'humour. C'est ça que je me dis surtout. Avec beaucoup d'humour et puis une vidéo surtout qui ne dépasse pas les... Moi je veux pas que ça dépasse les 10 minutes. Je veux que ce soit des vidéos très très courtes. Parce qu'il y aura beaucoup de montage et tout à faire et j'essaierai de faire un truc assez propre et où il n'y a pas trop de blanc. Voilà. Contrairement à mes vidéos test où là c'est complètement artisanal, là c'est vraiment, je le fais sans montage, les vidéos test, ou comme le speedrun là, je le fais sans montage. Sur ce voilà, j'ai pu dire pas mal de choses sur l'avenir de la chaîne Oliver Plasma, attention, et un peu sur Oliver Flav vite fait, mais voilà c'est pas abandonné, hein, ça... L'histoire de série MP3, c'est pas abandonné, attention. Parce qu'il me semble que j'en avais déjà parlé il y a très longtemps, quand c'était même la base en fait de la chaîne Oliver Plasma, et finalement ça s'est transformé en chaîne à contenu d'animé. Voilà, c'est plus transformé à ça. Contenu de Slayers principalement. Et par contre, je vous dis tout de suite, je pense pas que, ou alors dans très longtemps, mais j'ai vraiment pas la motivation pour mettre les épisodes de Sony X, parce que déjà, il y a les droits d'auteur. Esquiver les droits d'auteur, c'est chiant. Ça prend du temps. Parce que de devoir recharger plusieurs fois la vidéo, de la manipuler pour hop, si on met le son comme ça, est-ce que ça va passer? Si on met le son comme ça, est-ce que ça passe? Si la vidéo, on la met à l'envers, je sais pas trop quoi, est-ce que ça passe? Enfin voilà,
tous ces trucs là, c'est un peu chiant. Puis ça prend du temps pour finalement, voilà, juste montrer un épisode d'un animé. Voilà. Quand c'est pas nous, quand c'est pas une vidéo vraiment faite par nous, c'est moins bien, forcément. Donc voilà, sur ce que vous allez voir prochainement, sur la chaîne Oliver Plasma, en tout cas ça c'est sûr, ça sera le best-of de Patrick, l'étoile d'Homère. Attention. Et il y aura peut-être un best-of aussi sur Last Man. Attention aux âmes sensibles par contre pour Last Man. Ben voilà, sur ce... Et je vous dis à la revoyure pour de nouvelles aventures et pour de futurs speedruns.